assalamu alaikum, assalamu alaikum, jamare, siyo ful fulde. Kalaro hasi, pat prandi binote Mohammed Ramin ande mo wari holo har kolaran festival Yahra. Min gari hayawunde dalila festival Yahra. Eu min gari delegation extreme nord Marwa Garwa ngawde hawti min representi Marwa Garwa ngawde kolaran filmiti. E min tammi holo gon gadere ko tado ni filme Marocain film wardi ga Maroc ko fija ha ekran atumi tammi non ngiya. Ala. Ok, itami yago bado ko ndara ko ne aton midi gon ko se seda ene wado be filme woni marwa won be garo won be gawndere ko gal filme to ngara festival yar on ndare a tawi ko gaman na bana jogo wudi ngal ngal am na fa ngal do wadda be worbe diga ero diga tey pat ngal be dalila filme ji yaro e filme ji mabbe labdi boddi ene bo de copine kebe ngal en filme ji bani ngam hali ngara de festival to ngara de festival ni gani pri ina fa ne kurande de ko chukran ni ngal to ngam man tiden ngal en filme ji boddi ngam di nafa en ha be bado haleste ekran ato ndaron filme yo fija filme marocain mitami ondari seda ha ekran filme marocain do fija filme ngawr diga maro no hangoda competition ha festival to nga habi pringa gayni o andi filme ngada ke jom kala ko be kalki kala no pa hawarti be kero to nga majum kami de hollo gol seda tiden kuwen filme ji boddi mitami hollo gol kala ko sa dans la journée bo ni seda jeter au niveau de la CRTV qui n'avait rien à voir, qui ne connaissait rien avec. Alors n'oubliez pas ça. Parce que le sud-ouest, c'est les Douala. Le nord-ouest, c'est les Bamileke. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi est-ce que nous devons nous entrer dans des considérations inutiles? Les jeunes, mettez-vous ensemble. Demandez, il y a le gouvernement a mis à la disposition du ministère près d'un milliard de francs. Réagir à chaud. Tu sais que les Camerounais ont le sang chaud. Hein? Docteur. Hein? Moi aussi j'ai un peu le sang chaud. Oui. Pardon. Merci. Comment, on prend les questions et puis nous parlons. Moi, je voulais réagir. Après, tu donnes ma question. Comme ça, ton sang, il va te dire. Voilà, mon temps va te dire. On respire un peu. Merci, bonjour. Je suis Roméo Zafak, auteur, et je suis très heureux pour tout ce que j'ai suivi ce matin.
qui m'a beaucoup édifié, que je suis heureux de revoir après qu'il m'ait entretenu à Ouagadougou à l'occasion des RCO. Nous sommes en train de nous engager, dans une situation où nous ne ferons jamais des films, le type de film qu'on aimerait avoir. C'est la première. Voilà, première question. Je crois que M. Dema est là, au Forum des cinéastes. On a longtemps parlé de ce problème de cinéastes. On proposait même des salles de cinéma dans chaque mairie. Quand je vois les églises qui pullulent même parfois dans les chambres, je n'ai pas vu un décret d'un gouvernement qui a dit créer une église dans chaque carrefour. Mais cependant, ces églises-là se remplissent. Même nous qui sommes là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que nous avons dit, c'est nous qui avons entendu. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Non, c'est vrai. Ma femme, là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que nous faisons, on l'écarte. Là, 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 là. C'est ma femme, là. Parce que la personne va nous poser un problème. C'est pas un problème de masse. Non. C'est un problème de volonté. Non. La masse ne m'a jamais rendu. Ce n'est pas deux personnes, trois personnes qui vont porter un projet. C'est une personne qui porte un projet. Tous les autres viennent derrière pour nous pousser. Ce n'est pas si deux personnes pour le projet n'aura pas la chance de chacun. On va aller à gauche, l'autre dit non, on va aller à droite. Finalement, vous allez vous pousser. Oui. Nous voulons des. Moi, je parle porteur de projet. Je ne parle pas au simple comédien, je ne parle pas au simple technicien. Moi, je parle au porteur de projet. Tu as un projet, la femme. On va parler. Mais celui qui est seulement acteur, on va parler de quoi? De quoi est-ce qu'on va parler avec lui? On va parler avec lui quand on aura finalisé le projet, quand le projet est prêt à prendre corps. À ce moment-là, on aura besoin de lui. Mais avant, on ne peut pas avoir besoin de lui. C'est ça qui est la question. Mais s'il y a des acteurs qui veulent s'impliquer, on va les impliquer. Parce qu'eux aussi, ils ont leur contribution à apporter. Dalila Julia. Yamoumou, est-ce que c'est la même chose que le scénario du Roi de départ? Il m'a même dit ça avant que tu ne viennes. Voilà. C'est la règle de ma parole pour venir me donner un rôle, puis tu vas m'entendre demain. Je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas qu'un simple comédien. On t'a vu travailler, tu vas dire que moi je n'ai rien, je suis seulement venu travailler. Ça résonne mal. Non, ça résonne mal. Il faut mettre un outil de parole. Non, il faut que j'aille en train de voir. Non, tu ne peux pas dire ça. Il y a des gens qui sont là, qui t'entendent. Donc, c'est que moi je peux participer à un projet de demain, je dois être là du bout de temps. Vous avez une chose que nous n'avons pas. Votre nature. Des décors que vous avez. Vous savez que nous on doit voyager pour aller chercher ça. Vous avez ça à côté de vous. Mais ça n'a jamais considéré ce livre. Nous n'avons pas compris. Pourquoi on dit souvent que quand quelqu'un recrute la femme, quand il entend qu'une autre personne va... Elle a cotisé. Vraiment, aïe aïe aïe, c'est un grand plaisir de vous voir ici. Mais il faut qu'on vous mette le Biara là. C'est pas... Où est le... Ok, bring Biara du sein. Tu vois, il est tout bien. Il faut le... Il a bringé it. Oui. Il Aïe aïe aïe. À partir de là, on va faire l'interview. Je pense que votre vaisseau prend pour vous amener dans la salle de la, comment on appelle ça? Non, la production, master, non, master dans le studio. Parce que l'étalonnage, c'est pas comme ça. Comme voilà. Pour que ça se passe bien. Mettez ça là devant, je crois. Voilà, là, juste là. Et il faut que ça soit ça sorte sur les photos. Voilà. Donc, ça fait plaisir de vous voir tous ici, surtout que vous venez du Nord. Hein, et que j'aurais aimé, on m'avait dit qu'il y aura des griots, mais ils se sont désistés. Ça a déjà commencé. Ça devait être. Madame, c'est la fête. On ne dort pas. C'est la fête. Et je suis contente que vous soyez avec. Lui là dedans, il ne veut pas nommer. Il est avec nous depuis. Je ne veux pas le nommer. Donc, ça fait plaisir. Parce que je
faudrait que Yara soit connue du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que à chaque fois, au mois de novembre, vous sachiez que vous pouvez déjà faire des productions qui peuvent être. Et je vous préviens, Yara, j'ai les ciseaux, je coupe. Je ne prends pas n'importe quoi. Même si c'est un premier film, ça ne m'intéresse pas si ce n'est pas un film de bonne facture, si ce n'est pas un film qui allie la technique et l'artistique. Donc, mais si vous voulez faire un film de quartier où la grand-mère est contente parce qu'elle sourit, vous le ferez, mais il ne viendra jamais Yara. Mais vous faites un film parce que vous êtes vraiment un réalisateur, là je vais le prendre. Parce que je ne voudrais pas que quand je projette le film, j'ai honte. Je suis camerounaise et je vends l'image de mon pays à travers vos connaissances. Parce que vous êtes un technicien et c'est ce que j'attends de vous. C'est pour ça que j'ai voulu que vous veniez seulement pour voir ce qui se passe et que demain, à partir du mois peut-être de juin, juillet, vous commencez à me faire des propositions de ce que vous avez fait. On ne prend que le premier film, long métrage fiction qui va en compétition, ou le deuxième film du réalisateur ou de la réalisatrice. Et je promets pour toute la femme, je suis contente de vous voir là. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes médium, je vous vois. Mais seulement, je vous encourage à aller de l'avant parce que les hommes nous ont trop vermé 50 ans ici, là. Dans le métier du cinéma, ils n'ont rien fait. Donc, si on peut faire, il faut le faire. Je le ferai, madame. Voilà. Je vous promets. Et J'ai confiance en vous. Je viendrai. Ça ne veut pas dire que ne prenez pas. La caméra, vous allez suivre. Est-ce que vous allez sur elle, là? Il faut prendre prudence. Si on dit là. Non, mais il avait. C'est que s'il a, je veux dire que s'il a l'avance sur nous, pour l'expérience, c'est parce qu'ils ont commencé avant. Quand nous, maintenant, on peut aller au-delà, on va toujours le prendre pour travailler. Mais derrière, vous serez devant. Hein? C'est ça. J'ai compris, madame. Donc, voilà. Je suis très contente, très contente. Je vois que sa vie ici. Comment le nom est là? Bravo. N'hésitez pas à faire une masterclass quand vous la voulez, quand vous pouvez inviter les gens et nous sommes seulement là pour mettre dans notre programme pour que ça soit fait. Le colloque a commencé au Hilton, n'hésitez pas à y aller, c'était à l'ouverture, ça continue les travaux jusqu'à demain à 18h ou 17h, tous les jours. Mais demain ce ne sera pas au Hilton, ce sera à l'Institut français. Dans la salle de conférence. Et maintenant, la journée femme samedi, hein, je vous dis là-bas, ici, ce sera ici. Journée femme samedi, femme entrepreneur, vous voyez, je vous mets en haut. Parce que quand on parle que des hommes, mais bon, vous êtes invités. Hein. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire c'est quoi exactement la motivation, l'objectif, n'est-ce pas? Yara, c'est la semaine internationale du premier film ici à Yaoundé. Yara, c'est le festival qui promeut les œuvres de réalisateurs, les premières œuvres de réalisateurs. Les premières œuvres de réalisateurs sont proposées du premier film, long métrage fiction, le deuxième film, long métrage fiction, et certainement le troisième film. Pourquoi le premier film? C'est tout simplement parce que nous avons vu qu'il y avait vraiment un problème de professionnalisme, de professionnalisation dans le métier, qu'il y avait certes le talent au niveau des jeunes et des femmes, mais que la qualité n'était pas au rendez-vous. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait allier les anciens, les professionnels du cinéma et les jeunes qui commencent aujourd'hui. Pourquoi on parle de Sembène Ousmane? Pourquoi on parle de Dikongé Pipa et bien d'autres encore? C'est tout simplement parce que dès le départ, ils ont mis leur costume de réalisateur et ils ont fait le film. On ne vient pas essayer en tant que réalisateur. On l'est ou on ne l'est pas. Donc lorsqu'on sort de l'école du cinéma, il faudrait d'abord pouvoir faire des courts-métrages, s'assurer que c'est bien, que la critique auprès de vos pairs et amis cinéastes ont porté pour maintenant se dire qu'on peut avancer pour faire un long métrage. Parce que ce n'est pas de la blague, on vit de son art et il ne faudrait pas qu'on reste toujours des clochards, des mendiants, alors qu'on a un vrai métier, un autre métier. C'est pour ça qu'on a choisi le premier film. Voilà madame, vous avez invité le grand nord, c'est pas qui vous avez.
femmes pour s'exprimer aussi. Quelle était la motivation? Ben, la motivation déjà parce que cette année-ci, c'est le Cameroun qui a l'honneur du festival. Chaque année, nous invitons un pays, nous avons un pays hôte. L'année dernière, nous avions la Corée du Sud. Les années antérieures, nous avons eu la France, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal et la Chine. Donc maintenant, il était grand temps que ce soit le Cameroun. C'est pour ça que je voulais voir le Cameroun ici à Yaoundé, à ce rendez-vous, dans sa diversité. Vous n'êtes pas les seuls, il y a également les gens qui sont venus du Nozo, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux qui sont venus de l'Ouest, du littoral et ainsi de suite. Donc je pense que lorsqu'il y a un festival de cinéma, il interpelle tout le monde où qu'il soit. C'est vrai, cette fois-ci je vous ai appelé, mais il faudrait mettre ça dans vos calendriers parce que ce n'est pas à moi d'aller vous chercher. C'est à vous de trouver les opportunités qui développent ou promeuvent le cinéma pour que vous soyez connu et montrer de quoi vous êtes capable. Et quel sera le plus beau résultat que vous aurez escompté pour avoir invité toutes ces régions? Quel sera votre rêve pour l'année prochaine pour être dans cette région? Mais que vous vous soyez senti chez vous, parce que c'est chez vous. Yara n'est que une plateforme. Ce n'est pas moi. Moi, je travaille de janvier jusqu'à maintenant encore pour vous assurer un peu les bons. S'il faut chercher les partenaires, je cours à gauche, à droite, je me plie en quatre, je sais là où on me voit. Mais quand le festival est là, c'est pour les acteurs du cinéma. Tous les métiers du cinéma, les réalisateurs, les producteurs, les comédiens, chacun doit se faire voir. C'est ça le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est là où chacun qui est dans son coin veut connaître les autres et se faire connaître. Veut faire les B2B, c'est-à-dire échanger, apporter des projets pour se dire que dans ce rendez-vous, peut-être je pourrais trouver quelqu'un qui écoute ou qui lise ou qui me donne la ligne de conduite à tenir pour avancer dans ce que je fais. Donc c'est ça le rôle d'une plateforme pour reparler du cinéma, cinématographie. Donc c'est ma satisfaction de vous voir là et de savoir que pendant votre séjour, vous vous êtes amusé, mais en même temps, vous avez eu à construire des relations de travail. Donc ce n'est pas un espace où on vient, on s'assoit, on boit, on rigole, non. C'est vraiment la course. Qui est là? Est-ce qu'il y a des invités qui sont là? Où est-ce qu'ils logent? Vous allez les chercher pour avoir des entretiens, pour parler avec eux, ou bien venir ici, demander au niveau du secrétariat comment trouver-t-elle pour avancer dans ce que nous faisons. Si vous êtes même là, pourquoi ne pas me dire que vous voulez voir le ministre? Moi, je demande audience et on vous reçoit. C'est aussi ça, faire un festival, c'est-à-dire ouvrir les portes le temps de cette semaine-là pour avancer dans votre métier. Merci. Oui, je voudrais saluer tout le public qui nous écoute, surtout le public sahélien. Je voudrais également dire que avoir participé au festival Yara, c'est une très grande opportunité pour nous les Sahéliens. Déjà parce que, comme on peut le savoir, nous ne sommes pas très connus, très vus au niveau national déjà qu'international. Et cette aubaine que nous avons reçue que d'être invités au festival Yara, c'est quelque chose à prendre avec deux mains. Et nous sommes très fiers déjà parce que nous avons eu à gagner dans ce sens que nous avons eu à faire des échanges avec des professionnels dans le domaine du cinéma. Nous avons assisté aux masterclass qui nous ont permis de grandir davantage dans ce que nous ne connaissions pas, à savoir être un bon réalisateur, chercher sa production, être un bon producteur et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes représentés, si le grand nom est représenté ici, ça ne pourra pas être la dernière fois. Plutôt, ça va être quelque chose qui va être perpétuel. C'est déjà un coup d'essai, mais je crois que c'est un coup de maître. Parce que nous sommes là, nous avons gagné. C'est le grand nom, c'est le Sahel qui a gagné. Alors j'invite donc maintenant nos compères cinéastes à beaucoup d'ardeur. Parce que, comme on le dit, ne peut vendre qu'un bon art. Si on n'a pas fait un bon cinéma, ça ne pourra pas passer. Surtout au Festival Yara, qui est un festival international. Alors je voudrais simplement signifier ma gratitude à l'organisatrice du festival qui a bien su nous inviter. Vraiment, je lui dis merci et toute ma satisfaction pour avoir été là et pour avoir participé au festival Yara. Merci. Jacques Souquet.
Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est monsieur Zachary Yao. Je suis cinéaste, résident de Yaoundé. J'ai l'habitude de faire des films culturels avec des nordistes qui vivent ici à Yaoundé. Et c'est une fierté pour moi d'être ici aujourd'hui, invité à ce festival international, le premier film, Yara. Je me dis que je commence à arriver dans un milieu où tout le monde va me respecter. Parce que le cinéma, c'est tout un monde. C'est la mère des arts. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Indiamel Dini Mwaria Yara, festival, Taï Festival Maïbo, Milwarantou. Mais Hikado Kosanjaton. Kimbe Nord, Grand Nord Région, Adamawa, Nord, Extrême Nord, Wari Massin, de Kanjuma Bodum, Monde Bodum, Ngam Hado Maido, Geoutiwa Dijur, Himbe Sanjinjiri, Dabareji, nous filmons Jimay Yahira Yeso, Kanjon, Himbe Manga, Marbum Botemi, Tabiha Festival Maido, filmé Jibo Wari Jur, Milunumabo, Je mets dans le festival Yaramay, filmé du Waran, Mindiga Nord, filmé du Djur, Mindara, Kaldaraja, Norbo, Edda, Haldado, Al-Adaji, du filmé du, du Nimbe, Yakeji, Hanor, Maibo, Pantiraya. Voilà, merci. Assalamu alaikum, Minka Indiam Fatima Hadjan, mi artiste de cinéma, musicienne, mi wari festival. Bon, milari seniam, puisque milari culture do mauna, do valorisa, et mi do tora mon bo, en habda, en hauta hore, heba en banta culture men yaha yeso, en mbuha en nakta en nanabe, nder dunia rufu, mi himbe waila, himbe fombina, funa, bon, en pat, en habda, en huwa, en wallotira, en maraboyi de kugal men. Assalamu alaikum. To min wonte Mohamed Nour andradu inde Mohamed Lamine producteur réalisateur gondo Haledji Marwa. Ande bo min ngari ha festival yara ha ya hunde min ngari min represente grand nord under groupement ça veut dire que Marwa Garwa ngawndere. E wargo min haro min ngadde film en compétition min ngari ngam ndar ni kurbe njayita ngam examen bo. Itande warande min tasko min ngara festival ja ha ya hunde ngam man kare min dari min nobe kurata ha do ha ya hunde. Kugal manu na bana kochite ngar hamen do nobe bindita scenario dabo nobe filmita film nobe tourna film no jeu d'acteur en way ko en ce que jom min nobe akere ha wi wa kugal o wonbe ha wona kampan dikka tasko na ko nanobe kochite ngallo min tammoto boto min lora ka hitane warande kam min tasko to min ngar min filmeji en competition to alla muy ngam man mi joni ngaden story ha an ko kugal film do pat kochite kugal jordi ko en aniya mborgam ngam ere mo ngaden filmeji ha festival ji banni remporter un prix ngam ko nafa en. Ok. Bonsoir à tous, je suis Abdulaziz, réalisateur. Oui, je cherche sans. Je suis très content de voir mes frères du Nord qui sont venus assister. Tu vas prendre 50, c'est pas une au festival, on cherche des sans. Non, c'est juste un festival